Ouais. C'est l'heure de ma pilule. Viens, donne. Ça fait toujours un peu bizarre hein, dans ce sens-là. I just wanna be something. You just wanna be loved. Moitié. À chacun sa manière d'aimer. Bonjour, Pauline et Laurent. Bonjour. Dis bonjour. Bah oui, j'ai dit bonjour. Bah non. Mais si, alors. Alors, comment ça a commencé entre vous? Oh, c'était il y a longtemps. C'était il y a 6 ans. J'étais si jeune. Pas moi. On s'est rencontrés là où les jeunes et les moins jeunes se croisent, c'est-à-dire dans les transports en commun. Je l'ai vu, j'ai tout de suite eu un coup de foudre. Hein? Je lui ai laissé une place tout de suite dans mon cœur. Et moi, je lui ai laissé ma place dans le bus. Avec l'âge, on envisage différemment le couple? C'est mon 4e mariage. Alors là, je crois que je vais enfin tenir la promesse au curé. C'est la mort qui va nous séparer. Je vais chercher du thé. Prends-moi une petite bière, nounours. Non, non. Comment votre entourage a pris la nouvelle? C'est vrai que quand j'ai présenté Laurent à mes parents, ça a été un petit peu compliqué. C'est l'avantage d'être le plus âgé, la question de la vie des parents ne se pose plus. Parce qu'ils sont morts, elle n'était même pas née. J'ai fait du gâteau. Et dans l'intimité, qu'est-ce que ça change? Rien. Bah, on fait ça quand même plutôt de 5 à 7. Oui. Comme des amants interdits. Bien sûr, moi, après, je vais me coucher. On n'a pas les mêmes rythmes, mais... Quand je vais en soirée qu'il veut pas venir, on finit toujours par se croiser, parce que quand je rentre, il est déjà devant le Monoprix. Il attend que ça ouvre. Qui? Bah, toi. Quand? Devant le Monoprix. Le matin. Oui. Moi, j'aime bien aller au Monoprix. Est-ce que vous voulez un enfant? Alors, étrangement sur cette question, on est tous les deux à égalité. Parce que entre la production d'ovules et moi, mon espérance de vie, on subit tous les deux la pression de l'horloge biologique. Je vais chercher du... T'as la bougeotte ou quoi? Reste assise, qu'est-ce que c'est? Il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai. Alors? Je te débarrasse. Et finalement, qu'est-ce que cet écart générationnel apporte à votre couple? Notre différence d'âge fait que on a conscience que le temps est limité. Hein, et du coup, faut profiter de chaque seconde, hein, l'ours. Nous, on n'est pas dans l'ignorance, comme tous les autres couples, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Bien dit. Mmh. Un petit bisou. Ours, viens t'en aimer partout. Non, mais t'as un boudoir ici, quand même. C'est n'importe quoi, ça. Ça fait des petits moutons, là. Dis donc, il sent le nougat, ton médicament, c'est là. C'est la pilule? Non, fais voir. Ah oui, d'accord. Donc le lundi, c'est Werther's Original, le mardi, cachou, mercredi, pastis Vichy. Le médecin, il t'a dit pas de bonbons. Faut profiter.